Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on voyage, on va réaliser un plat indien, le aloo gobi. Vous allez voir que c'est très simple, des épices, du chou-fleur, ça vous donnera l'occasion de cuisiner le chou-fleur autrement. La liste des ingrédients est juste là en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre aloo gobi pour deux personnes, il faudra un filet d'huile de colza, une tomate, un petit bouquet de coriandre fraîche, 350 g de chou-fleur, deux pommes de terre, un oignon, une gousse d'ail haché, une cuillère à soupe de concentré de tomates, 1 cm de gingembre frais, du sel et du poivre, 2 clous de girofle, 2 feuilles de laurier, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de curry en poudre et enfin on aura besoin d'une cuillère à soupe de graines de cumin. Je vais commencer la recette en prenant une poêle, une sauteuse si vous avez à la maison. Je vais placer un bon filet d'huile. Quand c'est assez chaud, je vais ajouter les graines de cumin. J'ai beaucoup de clous de girofle, je vais en utiliser juste 2. Dans la foulée, je vais ajouter l'oignon haché. J'ai pris un petit peu d'avance pour éviter encore de pleurer devant vous. Je vais faire dorer le tout une petite minute. Je vais attendre un petit peu en fait que les épices se torréfient et que l'oignon prenne de jolies couleurs. Pendant ce temps-là, je vais préparer l'ail pour l'aplatir. Aujourd'hui, j'utilise de l'ail frais, mais à la maison, on peut tout à fait utiliser de l'ail déshydraté, de l'ail en semoule. Je vais juste venir le hacher vraiment grossièrement comme ça. Je garde un œil sur la préparation. Je vais juste mettre l'ail de côté. Je vais prendre de l'avance avec le chou-fleur. Je vais simplement le couper comme ça, vraiment. En petits morceaux, ça va aller un peu plus vite à la cuisson. Pour le coup, c'est vraiment une façon de cuisiner le chou-fleur qui change. Ça va changer du gratin, chou-fleur béchamel, chou-fleur jambon, chou-fleur vapeur. Des fois, on sait plus du tout comment l'utiliser. On change vraiment tout au niveau des saveurs, le cumin, l'ail, l'oignon, il y a des feuilles de laurier aussi d'ailleurs que je vais ajouter maintenant, hop. Je vais ajouter le gingembre, c'est du gingembre frais à la maison, vous pouvez aussi utiliser du gingembre en poudre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café à peu près. On continue sur un feu moyen de torréfier tout ça. Je vais terminer avec le chou-fleur, c'est une recette qui est vraiment relativement rapide à mettre en route. Prévoyez aller 10-15 minutes de préparation et pareil pour la cuisson, ça commence à sentir très très bon. Je vais ajouter l'ail. Je vais ajouter les épices, donc le curry et le curcuma. Ça me laisse le temps de revenir à mon chou-fleur et de terminer. Je vais prendre un petit peu d'eau. Attention, pas tout le verre, hein. C'est vraiment un petit fond. Pour détendre un petit peu la sauce, je vais ajouter le concentré de tomate. L'eau, c'est un petit peu au feeling, hein. Si vous voyez que la préparation est trop sèche, n'hésitez pas à en rajouter vraiment au fur et à mesure, hein. Je vais assaisonner un petit peu, une pincée de sel, une pincée de poivre. Je vais ajouter le chou-fleur. Je continue avec les pommes de terre. Alors, les pommes de terre simplement coupées en cubes. Je mélange et je vais ajouter encore un petit fond d'eau. Je vais laisser sur un feu moyen, je couvre la préparation. On va laisser mijoter 6 à 8 minutes. Ensuite, j'ajouterai vraiment le reste. Donc là, il y a la tomate, la coriandre. Ça y est, ça sent bon. Ça fait à peu près 6 minutes. On va encore prolonger la cuisson. À cette étape-là, je vais ajouter la tomate. Si vous avez un petit reste de tomate concassée en boîte, ça fonctionne. Je vais simplement faire des petits dés et je vais l'ajouter à la préparation. Je voulais pas préciser, mais aloo, c'est pomme de terre et gobi, c'est chou-fleur. Je couvre de nouveau pour à peu près 5 minutes. Et après, ce sera prêt. Ça fait 5 minutes supplémentaires. C'est impeccable. Il ne faut pas qu'il reste trop d'eau. Vous pouvez toujours en ajouter en cours de cuisson si vous avez un doute, si c'est un petit peu trop sec. Mais il ne faut pas qu'il en reste de trop. J'ai coupé le feu. Je vais ajouter de la coriandre. Utilisez les tiges, elles se consomment. C'est trop, trop bon. Rien ne se perd. Si vous n'aimez pas la coriandre fraîche, ce que je peux comprendre, je vous le dis à chaque fois, je crois, mais utilisez à ce moment-là du persil plat. Je vais l'ajouter au dernier moment, au-dessus. On remélange un petit peu. Et là, il n'y a plus qu'à servir. Je prends un petit récipient et on y va généreusement. Des pommes de terre, du chou-fleur. Attention de ne pas tomber sur le clou de girofle ni les feuilles de laurier, donc pensez à les retirer avant quand même. J'ai gardé un petit peu de coriandre fraîche pour en ajouter sur le dessus. Tadam ! Maintenant, vous savez préparer à la maison très facilement un aloo gobi. Franchement, vous m'en direz des nouvelles. C'est savoureux. On a plein de couleurs, des épices, de la texture. Vous allez adorer. Vraiment, vous allez redécouvrir le chou-fleur avec cette recette, je vous l'assure. Maintenant, vous prenez vos claviers, vous me faites un petit message juste là en dessous de la vidéo, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup en tout cas à vous. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !